Dans la partie continentale de Chine, 29 nouvelles infections à la COVID-19 ont été relevées samedi, une donnée pour la première fois depuis 2 semaines inférieure à 30. Parmi ces cas, 9 sont des transmissions nationales enregistrées dans les provinces du Fujian et du Heilongjiang, deux points chauds ici en Chine. D'après les experts, le variant Delta est à l'origine de la récente épidémie. À Harbin, chef-lieu du Heilongjiang, on possède actuellement une deuxième série de tests de dépistage de masse pour les 10 millions d'habitants. Les jardins d'enfants et les écoles primaires et secondaires sont passés aux cours en ligne pour une durée d'une semaine en raison de l'épidémie.